Salut à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va faire des tutos de dessin de Suspect Manoir Mystère. Aujourd'hui, on a, au moins celui-là, une fois, je vais faire Nyx, Finn et Jade, donc je vais pas les refaire. Donc aujourd'hui, on va faire Louis de Suspect Manoir Mystère. Alors, ce niveau de difficulté n'est pas trop compliqué. N'hésitez pas de vous aider avec un adulte ou un pro de dessinage de vous aider. Allez, c'est parti. Je lance le tuto. Retourne là. Bah, vous savez quoi, les amis, voilà. On parle de cette galère de dessiner en même temps que je filme. Donc là, si je dessine mal, c'est pas de ma faute. Hein. C'est quand je tiens la caméra. C'est pas de ma faute. Je vous promets, je dessine plutôt bien. Je vais vous montrer comment dessiner Louis. Alors, je vais vous montrer déjà de base à quoi il ressemble. Je sais que c'est pas assez pour vous spoiler, hein, mais à quoi il va ressembler. Donc, voilà, il ressemble à ça. Donc, ça va pas être compliqué. Niveau de c'est pas très compliqué. Donc, je vous inquiétez pas, vous pouvez le refaire chez vous. Donc, alors, d'abord, on va faire un trait courbé comme ça. Vous voyez, un trait courbé, genre un peu un demi-cercle. Vous voyez? Voilà, donc ensuite vous faites un petit truc ici. Voilà, tout simplement. Ensuite vous faites un autre. Voilà, donc ça fait un espèce de triangle, vous voyez. Un espèce de truc coupé. Moi, c'est un peu comme du banane en fait. Donc ensuite vous reprenez. Je pense qu'il faut faire ça plein de fois si j'ai bien compris. Ouais, donc ça va pas être très compliqué non plus, mais la prochaine fois on fera un dessin dur. Ah non, donc là, donc je monte. Je sais que c'est pas vraiment dingue, hein, mais vous inquiétez pas, je vais gérer. Après je vais enlever les démarcations, bien sûr. Donc les démarcations, si vous connaissez pas, c'est... Voilà, ensuite vous faites ça, du coup un petit trail. Hein. Vous voyez, là, c'est pour faire la tête de Louis. Vous voyez, par exemple. Ensuite, vous faites un trait comme ça. Dès qu'il n'est pas content, on dirait que ses sourcils sont levés. Ça n'a aucun sens. Ensuite, vous faites un autre trait. Donc, vous partez d'ici. Faire un autre. Et ensuite, je pense qu'il faut en faire encore pas mal. Hein. Je me trompe pas, non. C'est pas du tout pareil. Ouais, pour dessiner Louis, c'est vraiment le plus dur, en fait. Ensuite, tu fais comme ça, genre un espèce de M, mais courbé. Oui, un espèce de M courbé. Vous voyez, le M de McDo. Ensuite, vous faites un autre trait. Et comme ça, et après, vous regagnez la tête. Non, d'abord, on va refaire la même étape, je pense que l'autre... Ah non, même pas. Donc là, tac. Voici, pour l'instant, ça ressemble à ça, les amis. Comment dessiner Louis, c'est vraiment le plus facile, hein, ever. Donc, vous inquiétez pas. Ensuite, ah non, je vais juste le recourber, voilà. Ensuite, vous faites ça. Et ensuite, vous faites... Ah, alors, par contre, j'aurais dû faire un petit peu plus bas. J'ai enlevé le truc des démarcations, vous inquiétez pas. Ensuite, vous... What? Attends. Attends. Je remets la vidéo en pause parce que là... J'ai rien compris. Ah oui. Là, en fait, on est là. Là, on doit faire un truc courbé comme ça. Et là, je vais enlever les démarcations après du dessin. Et ensuite, bah, tout simplement, on va... Comme ça. Bon, désolé, c'est vraiment mauvais, mais... Par contre, j'aime pas les yeux comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, et ensuite on va les colorier, ça c'est easy peasy. Alors, ouais, on les colorie bien sûr. Allez, c'est parti. Désolé, je dessine mal, on dirait Tamagon là. Pour le moment, on dirait Tamagon, ouais. On dirait ça, on dirait Tamagon. Ensuite, on fait le nez. Allez, bon, en fait, on dirait qu'il a une bouche. Voilà, pas content quoi. Ensuite, vous faites, je crois. Non.
Non, en fait, on dirait un poussin maintenant. On dirait un poussin piou, ouais. On descend. Un poussin piou, il est trop bossu, en fait, là. Ouais, il faut que je... Ouais, je vais corriger les démarcations. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vais être plus équipé que l'autre. Que les prochaines. Donc là, vous voyez, donc. Voilà, on fait un trait comme ça. Bon, quand même, Louis, c'est quand même... c'est plutôt compliqué, hein, je l'avoue, mais... En fait, j'ai un peu menti, on dirait. Et là, je repars dans l'autre sens, en fait. Le fils, il faut faire les oreilles, la deuxième oreille de la même façon, je vais regarder. Ah non, d'abord, il faut faire un trait, c'est là, à l'intérieur, en main. Ah, ça, c'est le pire ever. Voilà, nickel. On a déjà une oreille, de fait. Oui, après, je vais m'occuper de des démarcations. Et là, il faut faire pareil. Et là, il faut faire pareil que la précédente oreille. Et n'oubliez pas le petit trait ici. Voilà, à quoi il ressemble. Donc, attends, je vais passer les petits passages de la vidéo. Parce que... Voilà, donc là, on va passer au corps. Donc là, vous faites un petit trait courbé comme tous les persos suspects. Je vais vous mettre un petit peu plus gros, voilà. Ensuite, vous faites une patte. Voilà, ici. Sans lui, il s'en sort, hein, ouais. Bon, même s'il est moche au niveau des yeux et de trucs, on dirait un oiseau, le machin. Après, je vais enlever les démarcations, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vais refaire le nez, parce que là, il rend bossu, en fait, le machin. Et vous faites l'autre patte. Donc, ok, donc là, c'est fait. Et là, on va enchaîner avec la dernière étape de Louis, c'est la cul. Donc voilà, vous faites un trait dans les fesses, et ensuite vous rejoignez de cette manière. Voilà. C'est plutôt simple. Regardez, si c'est terminé, je m'occupe des démarcations. Ouais, ok, donc c'est terminé la vidéo, mais c'est pas fini. Donc attends, je reviens, je vais m'occuper des démarcations. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. La gomme, voilà. Voilà, nickel. Donc, vous voyez mon petit Louis, on va le modifier un peu. Attends. Donc, d'abord, attends, je sais même pas manier une gomme. Voilà, on va refaire le nez, donc. Voilà. Et voilà. Donc, normalement, ce tuto est maintenant terminé. Non, je déconne. Il n'est pas fini parce qu'il reste encore quelques démarcations. Et on aura fini le petit dessin de Louis. Donc, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Bon, même, attends. Ouais, bah, oui, c'est bon. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Donc, c'était ce tuto pour comment dessiner Louis de Suspect Manor Mystère. On se retrouve demain pour faire un nouveau tuto sur un nouveau dessin. Donc, ça sera Oli ou Duc. Donc, si vous... N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si je fais Duc ou Oli. Donc, je verrai. Bon, je pense que je ferai du demain. Donc, je vous dirai à la prochaine. Et n'oubliez pas, tchuss!